Ses parents sont restés plus de 20 ans ensemble et ont fini par se séparer. Romain Sardou, fils de Michel Sardou, évoque le divorce du couple que le chanteur formait avec sa mère Elisabeth Haas. Artiste de père en fils. Si est-ce ainsi que cela fonctionne chez les Sardou. L'arrière-grand-père était humoriste, le grand-père acteur, le père est chanteur et les fils sont comédien pour l'un, écrivain pour l'autre. Romain Sardou et son frère David ont vécu une enfance baignée dans le milieu artistique, les parrains du premier étant même Alain Delon et Mireille Darc. Mais ils ont aussi été entourés de parents aimants. Et qui s'aimait. Même si la relation entre Michel Sardou et Elisabeth Haas a été passionnée et ponctuée de rebondissements comme des infidélités, devant leurs enfants, ils ont toujours donné le change et n'ont divorcé qu'en 1998, leur fils ayant déjà atteint l'âge adulte depuis longtemps. Est-ce grâce à cela que Romain Sardou, romancier historique, mais pas que, a pu écrire son dernier livre intitulé « Je t'aime » ? Romain Sardou, romancier qui parle d'amour dans une interview accordée à France Dimanche ce 17 mars, l'auteur s'est confié largement sur son dernier ouvrage qui évoque l'amour. Même s'il continue à garder en tête son thème de prédilection, l'histoire, en évoquant l'amour courtois qui semble inspirer la façon dont les personnages de son nouveau roman se comportent dans leurs relations sentimentales, Romain Sardou se montre aussi comme un observateur attentif de notre société. Ce qu'il doit, explique-t-il, à ses 40 ans passés, ce livre s'est construit avec ma vie, petit à petit. En vivant, en entendant des choses, en vivant d'autres. Si est-ce son expérience qu'il a forgée lui permet aujourd'hui de livrer son expertise. Sur le mariage notamment. Interrogé sur sa vision de cet engagement, l'auteur a d'abord expliqué quel rapport il avait lui-même avec celui-ci. Pas vraiment de trauma, j'ai mis beaucoup l'idée mais il n'y a pas de règles. Moi-même j'ai été marié divorcé. Mais à chacun son jeu. Puis, alors qu'il était invité à donner son modèle de couple, l'homme de 49 ans, en couple avec Kim Thiriot, a évoqué l'histoire d'amour que son père, qui va bientôt reprendre une tournée et connu pour sa franchise, a entretenu avec sa mère pendant 20 ans. Comme pour tout le monde, les modèles de couple sont ceux qui durent le plus longtemps. Mais sont-ils vraiment le plus heureux? Et plus on a de modèles, plus y est-il casse-gueule. Une vision biaisée en tant qu'enfant de divorcé? Sans doute, admet-il. Même si j'ai eu la chance que mes parents aient divorcé quand j'avais 25 ans. Il n'y a pas vraiment eu de trauma, rassure-t-il avant de conclure, mais si est-il vrai que l'exemple des parents est toujours marquant. À lire aussi Romain Sardou, retrouver l'amour m'a permis de retourner à l'essentiel.